Bonjour et bienvenue pour la vidéo de présentation de l'option plan de Soda qui vous permettra d'avoir un visuel de vos articles sur un plan. Pour notre exemple, nous allons prendre un fichier Excel tout simple qui recense des voitures, donc avec leur immatriculation et leur couleur. Donc nous voyons ici que nous avons trois lignes de données. Nous allons importer ce fichier dans Soda, donc il suffit de lancer soda.exe, de cliquer sur outils, outils experts, nouvelles données. Il nous demande si on veut supprimer les données actuelles, on dit oui. On choisit notre fichier Excel. Il nous dit l'insert trop courte, c'est normal, il n'y a rien dedans. On peut voir que le logiciel a bien importé les données de notre fichier Excel. Si on va dans le journal, il est vide, c'est normal, il n'y a aucune opération qui a été effectuée. Si maintenant on va avoir accès au plan, il suffit de cliquer sur plan. Il nous met des messages comme quoi il manque des paramètres. C'est normal car nous n'avons pas encore paramétré notre option plan. Donc pour ceci, il suffit de retourner dans le fichier Excel et de rajouter 4 colonnes. Donc la première, position X pour indiquer la position de notre image sur le plan. Position Y pour indiquer la position en Y de notre image sur le plan. Size X pour déterminer la taille en X et size Y pour la taille des Y. Donc nous allons mettre des données de test, donc 20, 20, 30, 30, et pour la taille tout en 100 pour avoir un visuel assez correct. Voilà. Il suffit ensuite d'enregistrer le fichier. Ensuite, de prendre nos images. Nous allons les copier dans le dossier photo de Soda. Voilà. Donc, il faut que les images aient le même nom que les données présentes dans le fichier Excel. Ensuite, il suffit de relancer Soda, de faire outils. Outils experts, nouvelles données, on supprime les données actuelles, on réimporte notre nouveau fichier Excel. Cette fois-ci, vous voyez qu'il y a les 4 colonnes que l'on a rajoutées, donc position X, Y, size X et Y. Donc maintenant, si l'on va dans le plan, on voit nos photos qui apparaissent. On peut les déplacer sur le plan, donc par exemple celle-ci ici et celle-ci là. Si on retourne dans données, on voit que les positions de base qui étaient à 10, 20 et 30 ont changé en fonction des mouvements que j'ai réalisés sur le relais plan. Si je quitte Soda et que je reviens, on voit que mes voitures n'ont pas bougé du plan, elles sont toujours au même endroit. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo.